Stand de jeux, buffet gourmand, l'association Les Amis du Liban donne rendez-vous chaque année à cette période à de nombreux enfants pour leur offrir un goûter de Noël inoubliable. D'autant plus inoubliable qu'ils ont pu cette année encore rencontrer et enchaîner les selfies avec une légende vivante du football français, Didier Deschamps. L'actuel sélectionneur de l'équipe de France de football, capitaine de l'équipe victorieuse de la Coupe du Monde en 1998, ne manque jamais une occasion de rappeler son attachement à cette association dont il est le parrain. Toutes les causes sont évidemment bonnes à défendre, celles qui touchent les enfants. J'y suis encore un peu plus sensible, donc à cette période de fête de fin d'année avec Noël, c'est une période importante pour les enfants, donc c'est pouvoir leur donner un petit peu pour ceux qu'ils n'ont pas et qu'ils puissent avoir le sourire. Un enfant qui a le sourire, il n'y a rien de plus beau. Didier Deschamps est aux côtés des Amis du Liban depuis leur création il y a 15 ans, 15 années au cours desquelles la dynamique présidente de l'association Bourhan Bouheri n'a cessé de multiplier les projets pour tendre des passerelles entre son pays d'origine, le Liban, et son pays de cœur, Monaco. Déjà, c'est mon pays, le Liban. Je suis née au Liban, même si je me sens monégasque au cœur parce que je vis là depuis 30 ans. Mais le Liban, c'est pour ça qu'on a appelé les Amis du Liban, puisque c'est tous mes amis de Monaco qui sont membres et bénévoles pour aider le Liban. Mais il faut savoir que nous, on s'appelle les Amis du Liban, mais on est une association quand même qui rayonne à travers le monde. Nous avons toujours été prêts pour aider les catastrophes, les crises, que ce soit en Haïti, en Syrie, en Italie quand il y avait le tremblement de terre il y a 2 ans, en Vietnam, aux Philippines, à travers la MAD mondiale, on a fait des actions. Donc on est quand même un peu partout et on a fait énormément de projets à travers le monde en dehors des Libans. Aide au centre de santé libanais, construction d'infrastructures sportives pour les enfants des quartiers défavorisés, distribution de présents, prise en charge de frais médicaux et depuis quelques années, aide aux migrants. L'association des Amis du Liban a à son actif des réalisations qui ont soulagé et adouci le quotidien de dizaines de milliers de personnes.